Née en 1940, Claire Bretécher débute dès 1963 dans la bande dessinée grâce à René Goscinny. En 1972, elle crée avec Gottlieb et Mandrika l'une des premières revues de bande dessinée pour adultes, L'écho des savanes. De 1973 à 1980, elle anime au Nouvel Observateur sa série emblématique des Frustrés, qui fait dire à Roland Barthes en 1976 que Bretécher est la meilleure sociologue de l'année. En 1988, elle crée, toujours pour le Nouvel Observateur, le personnage d'Agrippine, une ado insupportable mais irrésistible. Claire Bretécher a publié 8 albums d'Agrippine. Elle y présente les angoisses existentielles et les préoccupations futiles d'une adolescente des années 1980. Les premiers albums sont composés de gags en une planche, puis viendront des histoires plus longues. Le gag intitulé « Le carnage », paru dans le premier album « Agrippine », est très représentatif du trait de crayon, mais aussi du verbe de Bretécher. Elle a reçu le Grand Prix de la bande dessinée d'Angoulême en 1983. On y voit Agrippine et deux de ses copines rentrant du collège. Agrippine leur annonce paniquée que son père va lui exploser la tronche pour sa mauvaise note en British. Commence alors un dialogue inimitable. Ils sont galères, tes biomanes ? Mon père, si j'ai pas la moyenne, il vire ses repos, lui répond Agrippine. Et ta mère, elle va me cueillir à la frite et me collapser raide. Avec sa verve naturelle, Agrippine dresse le portrait de parents apparemment intransigeants avec les résultats scolaires de leur fille. Agrippine continue à faire l'inventaire des supplices à venir. Et lui va me trouer en 8 et massacrer la tête. Lundi, j'ai plus de dents. En parlant de son père, ses copines compatissent et vont jusqu'à comparer sa situation avec Auschwitz. Elles font aussi preuve de solidarité. L'une d'elles lui propose de lui apporter à manger, tandis que l'autre surenchérit et lui propose de la cacher chez elle. Après cette série de 6 cases, où nous suivons les copines de côté, de face, puis du côté opposé, à la 7e case, nous les voyons de dos, presque en ombre chinoise sur fond blanc, et Agrippine conclut, marchant désespérée vers son destin, « Non, c'est sur le pli, je trouille, touchez mes genoux !» Dans la 8e case, Agrippine les quitte avec l'air d'aller à l'échafaud. Dans les 3 dernières cases, Agrippine appelle son père en faisant des petits sauts de biche. « Pape, j'ai 5,5 en anglais. » Dans l'avant-dernière case, elle exécute devant lui une véritable danse de la séduction en attendant son verdict. Et contre toute attente, il ne la gronde absolument pas. « Tu pourrais faire un effort, Agrippine. » Dans la dernière case, Agrippine s'éloigne, toujours en sautillant et concluant en british « So don't be cruel, put. » Tout le génie de Bretécher est résumé dans ce soi-disant carnage. La manie des adolescents de tout dramatiser, les rapports de peur, de force et de séduction avec leurs parents, leur langage alambiqué et fleuri, leurs mimiques expressives.